Mesdames et messieurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle sur Brawl Stars. On va faire un pack opening du tout nouveau brawler qui vient de sortir. J'ai nommé... Jin. On va donc partir dans le pack opening, mesdames et messieurs. On va débloquer ce nouveau brawler. On va essayer de l'augmenter le plus haut niveau possible et on va le tester directement en jeu. Je ne l'ai jamais joué. Donc, on va voir ça tous ensemble, évidemment, en vidéo. Et il y a moyen que dans le pack opening, on chope des trucs aussi sympas parce qu'il me manque pas mal de star power et il me manque deux légendaires. Donc il peut y avoir des trucs qui tombent, on n'est pas prêt. Je sens que cette vidéo va être très sympa. On est parti dans le jeu, mesdames et messieurs, et j'ai énormément de boîtes que j'ai stockées pour les ouvrir aujourd'hui. Alors attendez, vous pouvez pas voir maintenant, mais regardez, effet incroyable. Voilà, j'ai 6 méga boîtes, 6 grosses boîtes et 156 boîtes normales. On va ouvrir ça aujourd'hui pour augmenter notre ami Jin au niveau maximum possible avec ces boîtes-là. Vraiment, je vous avais prévenu les effets incroyables hein, sur cette vidéo. C'est vraiment phénoménal. Alors, on va commencer par contre. Avant d'ouvrir les boîtes, on va directement acheter Jin dans le shop parce que vous vous souvenez de ma dernière vidéo pack opening ça m'a fait très très mal. J'ai beaucoup payé et j'ai rien eu du tout. Donc, je ne prends pas le risque. Cette fois-ci, j'ai calculé avec les boîtes que j'ai. J'ai à peu près une chance sur trois d'obtenir Jin si j'ouvre mes boîtes. Du coup, je prends pas le risque et on l'achète directement dans le shop. On est parti, mesdames et messieurs. On achète ça directement et c'est un achat effectué. Jin, qui est à nous directement. J'aime quand ça se passe comme ça. Je préfère payer des gemmes plutôt qu'ouvrir des coffres à l'infini et ne rien avoir. Ouf, on a Jin et maintenant, il est temps d'ouvrir les coffres. On va voir un petit peu jusqu'où on peut l'augmenter et on va voir si on peut pas choper des star power, des légendaires et éventuellement au passage, ça serait vraiment très cool. On attaque directement les coffres, mesdames et messieurs. On a 156 à ouvrir, donc ça va faire beaucoup. Mais on espère choper des trucs intéressants dedans, on ne sait jamais. On a de la Pam, du Franck, j'ai encore pas mal de brawlers à augmenter également. De niveau, j'ai très peu de brawlers niveau 9, très sincèrement, je dois en avoir 5. Donc il me faut des power, il me faut de tout, vraiment, on est en partie directement et on enchaîne les coffres pour collecter un maximum d'items. Des pièces toujours, de la poly encore une fois, du ricochet très bien qui s'approche doucement du niveau maximum. Tara, Jin, ça fait plaisir, 19 sur 20, pas de problème et on enchaîne toujours et encore les bois, toujours plus, 25 ricochets, ça je prends avec joie et toujours on continue. Les boîtes c'est un petit peu fastidieux à ouvrir comme ça à la chaîne. Quand on en a beaucoup, mais on va y arriver. Et surtout, je veux ce fameux... Enfin, déjà, des jeans en masse. J'en ai pas beaucoup de jeans, d'ailleurs. On peut en parler deux secondes, mais j'ai vraiment pas beaucoup de jeans. Pour l'instant, j'ai un petit peu de Léon. Parce qu'il m'en faut vraiment beaucoup du Léon, donc moi, je prends. Mais j'ai vraiment pas beaucoup de jeans, quoi. Genre, j'ai beaucoup d'autres choses, mais vraiment, le jean, il veut pas. Le jean ne veut pas sortir. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Il refuse de venir à moi. Mais regardez, c'est incroyable. Toujours pas de jeans. Non, du Léon. Pas de jean? Pas de jean? Non mais les gars, c'est un gag. Arrêtez! Arrêtez, Ditara, 15 beaux, pas de jean! Non mais les gars, c'est ouf ici, mais regardez ça! Beau ricochet! Pas de jean? Du beau, du Daryl! Pas de jean? On enchaîne avec... Mais je crois que j'ai une chance, mais qui est négative. Non mais les gars, c'est pas possible. J'ai une chance négative en pack opening sur Brawl Stars. J'ai jamais vu ça! Daryl? Mortis? Non mais... C'est bien 25 Mortis, mais toujours pas de Jin. Non mais les gars, c'est... On a 8 gemmes, c'est bien aussi, je veux pas râler quoi, mais... C'est quand même incroyable, c'est incroyable. Toujours... Non mais ça veut pas tomber. On a eu 0 Jin depuis tout à l'heure. Du Léon, du ricochet, ok. Mais toujours pas de Jin. Ah. Enfin, du Jin. Waouh, eh, ça a mis du temps. Eh, franchement... Ça déjà, c'est un exploit. Là déjà, je peux m'estimer content. On en est là, les gars. On en est là. De l'or, toujours. Du boule, de l'anita, toujours pas de jean. Pam, Polly, toujours pas de jean. C'est terrible. Pam, Polly, une nouvelle fois. Très bien. J'ai énormément de Polly, donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, on s'approche du niveau max. Ça fait toujours plaisir. Des gemmes en plus. Pourquoi pas. On est passé sous les... Oh, Star Power. Star Power de Dynamite, magnifique, incroyable. Oh mais ah oui, en plus c'est celui que je voulais. Parce que maintenant je vais pouvoir sauter partout avec Dynamite. Ça c'est cool. Voilà, là on commence à avoir des trucs sympas. Fallait que ça tombe à un moment, le voici. En vrai celui-là me fait plaisir. Bon alors le truc c'est que je pense pas jouer Dynamite en ce moment. Parce qu'il est déjà à 500, mais bon. C'est cool, ça fait plaisir. On enchaîne, mesdames et messieurs, du beau, de la poly, toujours pas...
On est à moins de 100 boîtes actuellement. Du coup, comme je disais tout à l'heure, on n'a rien chopé de très incroyable, mis à part le Star Power de Dynamite. Sinon, c'est un petit peu compliqué et surtout très très peu de jeans, quoi. Vraiment, ça m'étonne vraiment. Ah, Star Power! Mais oui, et là ça tombe. Là les gars, ça commence à tomber énormément. On a le Star Power de Shelly qui tombe, qui je pense va être sympa. Parce que Shelly 10, à mon avis, ça va commencer à être très très sympa à jouer. Je pense que c'est un gros avantage. Du coup, c'est vraiment très cool. Je prends avec plaisir. On continue avec les boîtes, mesdames et messieurs. 15 Léons et 25 Ricochets. Ça, c'est un bon coffre. Là, on discute. Là, c'est sympa. Peut-être, est-ce que ça veut annoncer peut-être une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle, peut-être de type légendaire. Parce que moi, je veux toujours mes légendaires, hein, les gars. Vraiment, vous pouvez y aller. Hein. Ça me dérange pas que vous me les donniez les deux dans le même coffre, même. Hein. Allez-y, franchement, balancez. Hein. C'est cool. De la Nita, du jean et des gemmes, toujours. On a chopé quand même pas mal de gemmes, j'ai l'impression, dans cet opening. Ça, c'est plutôt sympa quand même. Notamment pour les skins à venir, n'est-ce pas, que je souhaite acheter en masse. On continue avec du Brock, du Ricochet, toujours rien. Il me semblait que, comme sur Clash Royale, il y avait un système sur Brawl Stars où on obtenait davantage les brawlers qu'on a bas niveau pour équilibrer un petit peu le tout, mais ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas, sincèrement, parce que vraiment, j'ai vraiment que dalle de jean, quoi. C'est assez impressionnant. Tarak est là. Ah, Tarak, je peux augmenter au niveau max. Et ça peut être sympa. Tara niveau 9, sincèrement, les gars, je prends parce que l'ulti de Tara, il est vraiment oufissime, donc on va la passer rapidement. Hop, Tara, et avec un petit peu de bol, on chopera le Star Power dans une des box qui arrive. J'y crois. J'ai vraiment pas de bol, mais j'y crois quand même. Je fais confiance au jeu jusqu'au bout et malgré tout. Du Franck, du Jean. Ah, 15 Jean. Enfin, je n'en peux plus, les gars. Sérieux, je peux toujours pas le passer au niveau 4. Vraiment, il est seulement niveau 3. Je galère à le passer niveau 4. C'est quand même assez incroyable. Léon, par contre, qui se rapproche du niveau 6, il me semble. Donc ça, par contre, ça fait plaisir. Ah, voilà, Léon qu'on va pouvoir augmenter et Jean qu'on va pouvoir augmenter. Ok, là, on discute. Là, ce genre de coffre, ça fait plaisir. 8 box restantes, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on va avoir dans celle-ci? Peut-être du Jean, peut-être pas. Du Léon. C'est pas mal. Le Léon qui, quand même, a pris pas mal dans ce pack opening. Ça fait plaisir. De la Penny, du Jean. Ok, pourquoi pas. 6 coffres restants, 6 coffres normaux restants. Nous avons du Léon, de la Poly, très très bien. Ensuite, du Jean, du Franck. Et c'est tout. De la Poly, du jean. Et on a pas mal de jeans. Là, ça commence à arriver. On n'a plus que 2 boîtes normales. Regardons ce qu'il y a dedans. Du jean, très bien. Et du Franck. Et la dernière boîte normale. Ensuite, on a les grosses boîtes. Nous avons du Léon et du Daryl. Ok. Bon. Sur les boîtes normales, on a chopé 2 Star Power. Bon. C'est pas trop mal. Sur 156 boîtes, ça passe. Il nous reste 5 grosses boîtes. 5 grosses boîtes. On va voir, vraiment j'espère vraiment choper un truc pour finir, un Star Power ou pas mal de jeans. Vraiment les gars, faites-moi plaisir s'il vous plaît, dieu de Brawl Stars. Allez-y, 62 pièces, 10 Daryl, 14 beaux et 20 jeans. Ok, franchement 20 jeans, je me plains pas, je prends, j'accepte. On enchaîne, prochaine grosse boîte avec du Franck, 24 jeans. Ouh, ça me rassure un petit peu. Et 2 tickets d'événement ainsi que 5 gemmes. On continue avec 3 grosses boîtes encore. Du Daryl, du Franck, donne-moi du jean, de la Poly. Dommage, celui-là on n'a pas eu de jean dans celle-là. C'est dommage, plus que 2. S'il vous plaît, filez-moi un truc sympa. La grosse boîte est là, 62 gemmes, 20 jeans, ça c'est cool. Et 36 penny, c'est cool aussi, qui s'approche quasiment du niveau max. C'est plutôt sympa. 2 tickets et 2 doubleurs de jetons. La dernière grosse boîte, mesdames et messieurs. Filez-moi du jean. Filez-moi un Star Power. Ou même une légendaire. Est-ce que j'ose rêver ou pas? Est-ce que j'ose rêver, les gars? La dernière grosse boîte aujourd'hui. 113 pièces. Du beau. Et du Léon. Bon, le Léon, c'est pas mal. Mais... Hein, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Je suis désolé. C'est pas dingue. Ça me frustre un petit peu. Vous savez quoi? Je vais tenter ma chance jusqu'à la fin et je vais prendre l'offre qu'il y a juste derrière moi. Il y a 2 méga boîtes dedans. Je prie pour avoir des bons trucs. Au moins beaucoup de jeans, peut-être un Star Power et une légendaire, on croise les doigts. Mais vraiment, je tente ma chance jusqu'au bout. Décidément, je perds vraiment pas espoir. L'offre est achetée, mesdames et messieurs. Nous avons donc 2 méga boîtes à ouvrir. Je respire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi un truc. On a 230 pièces. Nous avons 9 francs. Nous avons 16 beaux. Nous avons
47 pennies, il reste 2 trucs dans le coffre. 63 polices, s'il te plaît, dis-moi que c'est du jean. Dis-moi que c'est du jean. Oui, c'est du jean. X 64, là ça fait plaisir. Là on discute, là je suis content. C'est pas trop mal. Il reste 2 petits bonus, 5 tickets et 3 gemmes. Avec grand plaisir. Deuxième méga boîte, j'espère qu'elle va être tout aussi bien. S'il vous plaît, voire mieux. Moi je prends mieux. 272 pièces, 19 francs, 30 beaux. Du jean, x 41. C'est correct, je dis oui tous les jours. Et du Léon, x 67, je dis oui aussi. Le Léon, il faut qu'on l'augmente. C'est très bien. On n'a pas eu de star power, on n'a pas eu de légendaire, on n'a pas vraiment eu beaucoup de chance dans cet opening. Mais c'est correct et on a quand même un jean de niveau viable. Je dirais qu'on va pouvoir améliorer quand même assez haut en trophée. On va pouvoir augmenter notre jean au niveau 6. Franchement, ça passe. Franchement, ça passe. Je pense qu'on peut l'amener assez haut en trophée quand même niveau 6. On va voir ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est de tout simplement aller le tester un petit peu. On va voir ce que ça donne tout simplement. Je l'ai jamais joué. Vraiment, j'ai jamais essayé. Je l'avais pas sur le compte développeur, donc j'ai vraiment jamais essayé. Jean, on va tester ça, on va découvrir ça ensemble maintenant. On est parti, mesdames et messieurs, dans ma toute première game avec Jean. On a un Jean en face également, évidemment. J'ai choisi Gem Grab parce que c'est le mode de base, on va dire, de Brawl Stars. Donc voilà, autant tester Jean dans le mode de base. Je vais prendre le côté droit du coup parce que personne n'y va. Je joue avec des randoms, donc évidemment, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Oh la vache, on a complètement snipé le beau. Je vais me planquer ici derrière. On va regen tranquillement, on est très très bien. Je vais prendre la gemme. Je me permets des choses. Attention, parce que là, je suis un petit peu coincé. Est-ce qu'on peut aller embêter le jean en face? Il est un petit peu moins au niveau que moi. Il a moins de PV. Ah, j'ai cru qu'il partait sur le côté gauche. Attention, il a l'ulti. L'ulti a l'air sympa. L'ulti de jean, il a l'air plutôt sympa. Est-ce que je peux pas aller? Ouais, c'est bon. On a fini la Tara. On est très très bien. Le beau. Pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Calmons-nous. Je vais me mettre juste ici, attention à la Tara qui peut envoyer son ulti à tout moment. Elle va pas le faire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, attendez, parce que du coup, son attaque... je débarque dans ce jeu complètement. C'est vrai que son attaque, à la fin, elle se sépare. C'est sympa, ça, comme petite petite feature. Oula, oula, oula. Attendez, je suis pas bien. Je vais regen et je pense qu'ensuite, je vais partir directement en ulti pour mettre un dernier gros push et qu'on reprenne l'avantage dans cette game. Est-ce que je peux pas aller chercher Jean? Ah, je l'ai loupé. Ah ouais, ça va être chaud à viser quand même. On a fini le Jean en face. Attendez les gars, c'est gagné. La Tara sur la droite qui faisait rien et qui était complètement hors ligne apparemment. Qu'on va finir. Oula, attendez, je me fais... Oh, attendez. J'ai parlé trop vite. On va se barrer. On va se planquer derrière. Il va falloir que j'apprenne un petit peu à maîtriser le perso, on est bien d'accord. Mais globalement, c'est une victoire pour commencer. Et ça, on apprécie. Est-ce que la Tara était hors ligne à un moment donné et c'est pour ça qu'on a gagné? Oui. Mais l'histoire ne le retiendra pas. Je vous propose, mesdames et messieurs, de partir en survivant, voir un petit peu ce que ça donne en solo. Voilà, on va voir un petit peu parce que là, j'avoue que en Razia Gem, c'était un petit peu le bazar. Donc, au moins là, on va pouvoir se poser un petit peu, voir ce que ça donne, notamment sur les 1v1. Ça a l'air plutôt sympa. Oula, attendez, là, il y a du monde au milieu. On va se faire plaisir. Ah, le problème, c'est qu'il tape vraiment pas fort. Au début, comme ça, c'est pas dingue. Maintenant, il me laisse tout seul. Ah oui, et d'ailleurs, je viens de remarquer, mais ces attaques regen tellement lentement. Regardez ça, ça met tellement de temps. Il va falloir faire gaffe, hein. Mine de rien, il va falloir prendre Ginny en main. Ginny ou Jean, d'ailleurs, je sais jamais comment l'appeler. Alors attendez, parce que là, c'est un petit peu tendax. Est-ce qu'on peut finir? Quasiment. C'est bon, on l'a fini. Je vais me planquer ici. Le beau, là, va essayer de me toucher, mais il va pas faire grand-chose. On a quand même 3 potions. Il n'y a plus que 5 personnes sur la map. Je trouve ça correct. Je vais me planquer ici. Je sais pas trop ce que l'ulti fait. Je vais essayer de choper ce beau. C'est peut-être un petit peu risqué. Bah, ils ont 6... Ouais. Ne le tentons pas. Ne le tentons pas. Pourquoi il y a énormément de beaux là sur cette map? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vous ai fait, les gars? Ok, on a fini un des beaux. Donc on est plus que 4, je vais aller me planquer dans le coin. Je vais attendre qu'ils s'entretuent et je vais essayer d'arriver derrière parce que j'ai que 3 potions. Du coup, c'est un petit peu temps d'ax. Dégage. Dégage. Oh, dommage. Oh, j'ai tenté un truc, j'ai pas trop compris. Le problème, c'est qu'il a pu me snipe au corps à corps. C'est vrai que l'ulti fait pas beaucoup de dommages. Du coup, faut vraiment l'utiliser quand t'as toutes tes attaques derrière pour attaquer au corps à corps. Ah, c'est un petit peu tendu. On est reparti, mesdames et messieurs, en survivant toujours. Je pense que... On croise beaucoup de beaux, je viens de capter parce que
Beau se débloque à 3000 trophées. Donc les mecs avec nous sont à peu près à 3000 trophées. Et moi je suis pas non plus en soi, je suis pas beaucoup plus haut, je suis à 7000. Donc à mon avis on doit être matché ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Le jeu doit estimer qu'on a à peu près autant de trophées. Vous savez qu'il y a un nouveau système de matchmaking, etc. Du coup, à mon avis, c'est pour ça. Enfin, bref. Là, je suis en train de vous parler de ça, mais il n'y a pas du tout beaucoup de beaux autour de moi actuellement. Du coup, ça n'a un petit peu aucun sens. On est bien d'accord. Mais écoutez, laissez-moi vivre ma vie. Est-ce qu'on peut détruire cette caisse? On aurait 3 potions. C'est pas mal dès le début. Voilà, j'allais dire, faut juste faire attention à pas faire n'importe quoi. On va se mettre là tranquillement. Il va détruire la box pour moi. Je dis oui et je m'en vais. Il va pas me tirer dessus. Non, c'est bon. Attention ici, la Piper par contre. Est-ce qu'on peut la choper? De toute façon, je peux la choper avec mes attaques comme ça. Hop. Ça, c'est fait. Il y a pas mal de petits trucs quand même à prendre en main. Enfin, c'est un nouveau brawler, donc forcément, il faut s'y habituer. J'avoue que là, je découvre un petit peu les options et les possibilités avec. Mais c'est cool. Pas de soucis. Est-ce qu'il y a un mec ici? Ah, du coup, ah ouais, j'avoue. En fait, en soi, il a une grosse portée, hein. Je peux vraiment tirer de très très loin pour voir s'il y a des gens dans les buissons. Et ça c'est cool, regardez, hop. Il y a un beau juste ici. On l'a touché, est-ce que je peux toucher le genie là? Ouais je peux, regardez, c'est trop cool. C'est beaucoup trop bien. J'adore cette attaque. Si je fais ça, non je vais pas le toucher. Je l'ai eu, je vais l'empêcher de regen, je vais essayer d'aller choper. Allez, on fonce. Je veux ces... Je veux ces potions. Le beau qui m'embête. Ok, le beau, je vais... Ah, attention. On n'est plus que 3. Je pense qu'en vrai, il y a moyen d'en choper un, notamment le Rico. Le Rico, il y a moyen de le choper. Déjà, en le poussant vers le beau. Ils vont s'entretuer. Et ensuite, je vais essayer de l'attirer avec mon ulti et de le finir. On tente une stratégie comme ça. Alors, le problème que j'ai actuellement... Ok, le beau est là-bas. Je peux forcer le beau à sortir. Oh oui, 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 oui. Tire, tire, tire. Ouh, c'était chaud. C'était très chaud. C'est une victoire, mesdames et messieurs, du Maître Jean. Plus 8 trophées. Et cette victoire était belle. Je veux pas dire cette victoire, elle était très sympa. On va faire une dernière partie, mesdames et messieurs, pour voir un petit peu si je peux réitérer l'exploit, n'est-ce pas? Ou alors si je me fais éliminer en premier. C'est aussi possible, il n'y a aucun souci là-dessus. On va choper les box. On a un spawn qui est pas trop mal. Là, on a 2 box à côté, on en a une qui est juste ici. C'est plutôt cool. Le Rico, normalement, il va pas trop nous embêter parce qu'on peut se planquer. Voilà, on se met ici, il peut pas nous toucher. On est bon. Ah par contre il va me piquer ma box en bas. Ça je... Non. Non non non. Ah il y a un jean en haut. Ok attendez, attendez. Je vais prendre cette potion là. On va taper le jean. Pour l'instant on a des dommages. On se planque derrière le mur. Il arrive pas à regen. Il essaye de s'en aller. Il veut team. T'as essayé de me tirer dessus mec, t'es mort. Je te poursuis mais jusqu'à l'infini frérot. Regarde ça. Bam. Derrière le mur. Y'a aucun problème avec ça. Bam, on refait la même. On l'a pas touché. On le finit? Oui, on le finit. Lui, pareil. Tu veux jouer à ça, frérot? Y a pas de souci, hein. Voilà, ça c'est fait. Il y a un beau ici, on l'a évidemment vu. J'attends de regen. Je vais le choper. Je l'ai pas chopé. C'est chaud à choper avec l'ulti, en vrai. Faut bien viser, hein. Parce qu'en vrai, c'est assez lent, je trouve. On va le choper. On va le choper. On peut attendre, hein, moi ça me va. Hein. Tu vas être obligé de sortir à un moment donné, frérot. Voilà, ça c'est fait. Merci, au revoir. On va regen. On a encore l'ulti. On l'a vu, le jean ici. Ah, je peux pas aller derrière. Ah ouais, ça c'est relou. Ça c'est relou. Il a 4 potions aussi. Ça va être tendu, mais il y a un beau en haut. Je vais les pousser sur l'un sur l'autre. Comme tout à l'heure. Par contre, le beau, il est un petit peu... Il a un petit peu beaucoup trop de potions à mon goût. Apparemment, l'autre jean, il essaye aussi de l'avoir. En fait, on sait que si on se retrouve en 1v1 contre lui, c'est compliqué. Du coup, tous les deux, on essaye de le buter avant de se buter, nous. Histoire d'avoir une chance de gagner encore. Je vais me reculer ici. Je peux l'avoir sur le côté ici. Le beau, il essaye de nous mettre l'un contre l'autre, mais ça ne marchera pas. Et oui, c'est une victoire, mesdames et messieurs. L'incroyable hashtag
double top 1 avec Jean. Avec, oui, Jean. J'ai du mal entre Jean et Jean. Ouh, ça fait plaisir. Et franchement, le gameplay est sympa. Franchement, le gameplay a l'air super sympa. Vraiment, bon, j'ai fait 3 parties, mais vraiment, ça fait plaisir. Il y a juste, ouais, il y a juste l'ulti, je le trouve pas dingue, parce que très lent, et pas forcément hyper bénéfique, parce que vous faites pas, c'est pas comme Léon, vous faites pas plus de dommages quand vous êtes au corps à corps. Donc, vraiment, l'intérêt de l'ulti, il est un petit peu limité, je trouve, à voir. Faut que je teste évidemment plus, hein. J'ai joué 3 parties, donc je peux pas vraiment avoir un avis très précis dessus. Mais voilà, à première vue, ça me paraît un petit peu faible, et il faudrait qu'il y ait peut-être un petit truc qui soit fait à ce niveau-là, n'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. On va s'arrêter là-dessus, les gars. On a 2 box qu'on a du coup obtenus avec les battles qu'on vient de faire. On va les ouvrir. Peut-être un miracle va arriver. Et on ne s'y attend pas. Peut-être une légendaire actuellement. Pas du tout. Ça aurait été étonnant. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était vraiment sympa comme vidéo. On a eu Jean et il est vraiment super sympa à jouer. J'ai hâte de faire des vidéos dessus. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas évidemment le petit like si vous avez apprécié la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.